L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Mathie Diop, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes franco-sénégalaise, actrice et réalisatrice. Atlantique, votre premier long-métrage, grand prix au dernier festival de Cannes, sort demain en salle, ici en France. J'imagine votre fébrilité. L'Atlantique, Mathie Diop, c'est le nom de l'océan qui borde l'ouest du Sénégal, de Saint-Louis au nord, à la Casamance, à l'extrême-sud. Votre Atlantique à vous, c'est celui qui vient à lécher les plages de Dakar et de sa banlieue, où l'on suit Ada, Suleiman, Fanta, Mariama, Issa, Thérèse et les autres, dans un film où les morts et les vivants se côtoient. On va regarder un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après.

Un film matidiop Diop sur ceux qui restent et ceux qui partent. Ce film d'abord, c'est un cheminement personnel qui rencontre un projet de cinéma. Absolument. Et euh, ça commence en, en 2008 où j'ai réalisé un premier court métrage à Dakar qui s'appelle Atlantique avec un S et qui euh, donnait la parole à un jeune homme qui, qui racontait à ses deux amis sa traversée en mer. Et à l'époque, c'était très important pour moi de, de redonner la parole à un acteur des faits, à quelqu'un qui avait lui-même traversé la mer, puisque je trouvais qu'à l'époque, déjà, c'est une situation qui était... Euh, un peu pris en otage par certains médias de masse, justement, et qu'on entendait peu euh, les acteurs des faits parler eux-mêmes de cette histoire. Et ensuite, j'ai eu envie d'aller plus loin euh, autour du même, de la même problématique, mais de le traiter euh, du point de vue féminin et du point de vue donc de, de celle qui reste. C'est pour ça que c'est qu'il est question de l'Atlantique, parce qu'avant de rejoindre euh, l'Espagne, on parle souvent de Méditerranée, mais, mais depuis Dakar. Ce qui existe et, 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 et ce qu'on voit en fait en, en songeant à partir, c'est cette immensité, c'est cet océan, et c'est d'abord cette territoire-là qu'il faut traverser. On va revenir sur les femmes de votre film, mais un, un mot de cette équipe, votre équipe, équipe extrêmement féminine. La musique magnifique du film est signée Fatima Al Kadiri. Euh, que cette équipe-là, ce soit elle avec ce film, qui vous ait emmené si loin à Cannes. Qu'est-ce que ça représente pour vous avec un avec un Grand Prix Mais c'est exactement ce qui m'a le plus, euh, ce qui a été le plus fort, c'est que le film arrive jusque-là, alors que les choix que j'ai faits, euh, que ce soit mes productrices, ma monteuse et Fatima Al-Kadiri, la, la, la musicienne, qui m'ont choisi aussi, euh, c'est notre premier long à toutes et c'est d'autant plus fort d'arriver en compétition et de recevoir ce Grand Prix. Avec en effet une équipe de, bah, de personnes qui en sont au même, au même endroit que moi, qui commencent avec moi, qui émergent avec moi, et, et je pense qu'un film, au-delà de ce qu'il raconte, défend aussi beaucoup de choses dans la manière dont il se fabrique, dans les choix des associations, des collaborations, et, euh, et ça, ça raconte déjà beaucoup d'un projet, d'une manière euh, d'être au monde, quoi. Pour revenir au cœur de l'histoire, les femmes y sont au cœur, histoire que vous racontez à travers les yeux d'Ada. Ada qui aime Souleymane, l'ouvrier, mais Ada qui est promise à Omar, celui qui a réussi dans la vie. Faute d'argent, Souleymane prend la mer avec ses compagnons à la recherche de l'Eldorado espagnol. On sent quelque chose qui se noue assez rapidement de l'ordre de la tragédie presque grecque, et puis peu à peu, le film euh, prend une, une autre dimension. Absolument, euh, avant même qu'Ada apprennent que les garçons sont partis en mer, on sent déjà une tension, on sent déjà dans, dans, dans ce pick-up, euh, dans ce petit camion que les garçons, que les ouvriers quittent juste après avoir appris qu'ils n'étaient pas payés, on sent qu'ils sont déjà partis, qu'ils sont déjà appelés par un ailleurs, on sent Souleman préoccupé, il ne parle pas mais on arrive à tout lire sur son visage et il est déjà quelque part dans une sorte de conversation secrète avec l'océan. Le film n'est pas encore officiellement fantastique, mais l'atmosphère est déjà très chargée. Et puis on glisse peu à peu vers quelque chose de plus mystique. Absolument. Il y a du fantastique, vous le disiez, du des djinns, des mythes africains et européens. On a l'impression que vous avez, à votre image, fait un métissage de tous les mythes qui étaient dans votre vie pour les mettre dans ce film. Exactement, exactement. C'est au niveau des influences de, de, de l'univers fantastique. Il y a en effet autant des légendes allemandes romantique, euh, des légendes bretonnes, euh, des, des... très inspirées aussi par, un certain, euh, euh, par une, une certaine peinture romantique, mais j'ai aussi été influencée par toutes les histoires que j'ai pu entendre euh, depuis l'enfance au Sénégal, euh, des jeans, euh, d'autres types d'esprits, et c'est en effet un brassage, un, un... après j'ai vraiment voulu euh, quand même me rapprocher de... de, de... De la culture locale, en l'occurrence des jeans, donc. Mais c'est vrai que c'est euh, traversé par, par un, un imaginaire qui extrêmement euh, mélangé quoi. Voilà, on ne va pas raconter euh, toute l'histoire, mais effectivement, ces jeans sont au service de cette, euh, de cette, euh, de cette façon qu'on les, euh, les disparus de hanter euh, les vivants et qui peu à peu reprennent vie à travers euh, leur corps. On laisse les, les spectateurs aller découvrir euh, l'histoire, mais plus largement, c'est cette, cette idée que vous aviez, que vous aviez déjà dans ce court métrage qui s'appelait Atlantique et au pluriel que vous avez euh, filmé, c'est la mémoire de ceux qui sont partis. Qui reste parmi les vivants. Exactement, c'est un film sur la, la hantise. Euh, et ce projet, c'est vrai que le fond et la forme se sont imbriqués tout de suite. Euh, J'ai tout de suite euh, voulu consacrer un film à, à, à une certaine jeunesse fantôme, fantôme puisque disparue. Et celle qui prend la mer. Celle qui prend la mer. Celle... Mais, mais, mais il y a des personnes qui, qui arrivent en Espagne. Là, il est question de toute, de toute une jeunesse qui a disparu en mer. Et qui n'a pas laissé de traces euh, physiques et du coup qui est qui est qui, qui est omniprésente dans l'esprit des femmes qui sont restées derrière elle et donc c'est vraiment un film sur l'idée euh, des fantômes des qui naissent à l'intérieur de nous-mêmes qu'on fait nous-mêmes revenir par la pensée, par l'obsession, par le fait d'être hanté en fait par ces disparus et euh, voilà j'ai été très marquée par euh, à la fois des, des choses que j'ai moi-même ressenti euh, dans cette période qu'on qu pourrait appeler en tout cas au, au Séné, à Dakar à, à l'époque, Barcelone ou la mort où beaucoup beaucoup de jeunes partaient. J'ai moi-même entendu des histoires qui m'ont qui m'ont beaucoup marquée et, et lu des articles aussi de quartiers qui étaient désertés par les hommes et de ces femmes qui témoignaient euh, euh, et qui voilà et qui sont. Il y, y a aussi Fatou qui a écrit euh, de romans euh, très marquants sur euh, sur cette période-là. Et voilà, c'est, je pense que c'était important de consacrer un, un film à, à ce moment-là et, et que ça résonne de manière extrêmement universelle. Et pendant que les profondeurs de la mer sont hantées par ceux qui sont partis, effectivement, il y a les, les femmes qui elles, restent, des femmes qui sont que vous ne présentez pas, que vous, vous ne présentez ni comme des victimes ni comme des guerrières, mais qui finalement parviennent à leur fin, il y a cet aspect-là. Et autre chose aussi, il y a cette, cette jeune Ada qui est fantastique, qui n'était évidemment pas une actrice quand vous l'avez choisie, qui elle aussi finit par refuser la vie qu'on a choisie pour elle. Ça aussi c'est important. Exactement, c'est avant tout ces héroïnes-là que j'ai eu envie de filmer, avec au centre Ada qui, qui, qui entreprend, suite à la disparition subite de Suleiman, un, tout un parcours initiatique. En fait, ce n'est pas l'odyssée d'Ulysse, c'est l'odyssée de Pénélope, de celles qui attendent, mais justement qui n'attendent pas passivement, parce qu'il y a un quotidien euh, qu'il faut affronter, en l'occurrence pour Ada, euh, ce mariage qu'elle va, qu va devoir, euh, qu va devoir euh, qui, qui arrive, qui est imminent. Et, euh, et c'est le retour de Suleiman en fantôme qui va bousculer les événements et qui va l'obliger, elle, à, à décider quelle vie elle veut vraiment mener pour elle et autour d'elle comme dans la tragédie grecque au cœur le cœur qui des femmes qui sont elles possédées par par l'esprit des garçons. Et qu'on entend chanter à de multiples reprises euh, dans le film. Vous avez eu, Absolument. comme un fil, vous parliez de, de Pénélope, euh, ce contexte euh, que vous avez évoqué quand vous êtes allé présenter le film à Dakar, celui du bref printemps sénégalais, c'était au début des années euh, 2010, et vous avez eu ces mots à Dakar. Euh, je voudrais que vous voyiez ce film quand vous, vous adressez aux spectateurs, comme un monument aux morts, mais surtout comme une invitation à la part la plus vibrante de cette jeunesse. Dans ce, dans ce cadre de euh, morbide, d'une certaine façon, où les morts sont très présents, il y a cette jeunesse qui vit dans Dakar, qui fait la fête, qui avance. Bien sûr, c'était capital de très tôt dans le projet de, de faire très attention à ne pas inconsciemment proposer un, un film sur une certaine jeunesse sénégalaise et l'enfermer dans la question de la migration. Euh, certains jeunes sont partis, certains sont arrivés, d'autres sont, sont disparus en mer, mais toute une autre jeunesse est restée à Dakar, travaille. Je vis enfin voilà et, et, et je voulais aussi dans ce film que ces deux jeunesses là soient, soient prises en compte dans sa diversité dans sa complexité et là c'est l'idée d'une jeunesse vivante qui porte en elle la mémoire des disparus et et voilà et, 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 et en effet ce, ce et, et, et ce par rapport à ce que vous venez de citer c'était aussi l'idée de, de, de dire que que ce film est fait à la fois sur cette jeunesse et avec cette jeunesse, que, que, que ce film est fait avec euh, l'incroyable talent euh, et force de, des jeunes qui m'ont accompagné pour le faire. Précisément, ils, ils, ont, ils ont compris, vous qui citez souvent euh, votre oncle, le grand cinéaste Djibril euh, Diop Mambetti, qui selon vous filmait l'Afrique la vraie comme il le fallait, est-ce que les jeunes que vous avez filmés ont... ont ont compris votre démarche et ont aimé la façon dont vous les avez filmés C'est à eux de le dire, mais euh, en tout cas, euh, lors des, des projections, euh, des différentes projections qui ont lieu à Dakar cet été, lors de la sortie du film, parmi les retours qui m'ont été faits, qui nous ont été faits, j'ai entendu un public qui reconnaissait son quotidien, qui reconnaissait ses, ses réalités, ses troubles. Et euh, pour moi, ça a été euh, très significatif de... Voilà, de de sentir une, une, une sorte de, de, de cohérence, de phase entre, entre ce que j'ai proposé et la manière dont ça a été reçu. D'ailleurs, on a, on a beaucoup ri à Dakar, je crois, pendant la projection. Ce qui oui, c'est euh, vrai que, 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 que le public regarde un film dont c'est la langue en fait, et, et donc euh, accède à, à, à une subtilité en fait de langage qui est beaucoup plus précise que d'autres publics, même si euh, le film s'adresse absolument à, à tout le monde. Un film en, en wall-off, effectivement. Juste euh, d'un mot, vous avez été la première actrice métisse à être euh, primée au festival de Cannes euh, au printemps la... dernier. Euh, première réalisatrice, bien sûr. Euh, ça paraît assez. Euh, Dingue qu'en 2019, on en soit encore à ce niveau de d'inédit. C'est à la fois, oui, oui, c'est-à-dire c'est que quand j'ai quand, quand ouvert le journal et que moi-même, j'ai en tant que spectatrice presque, j'ai découvert qu'en effet, j'étais la première femme noire à monter les marches de, de Cannes et à avoir un film en compétition. En effet, c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit c'est ah oui, c'est vrai, c'est moi, c'est sur moi que, que ça tombe historiquement. Et, et, et je le savais qu'aucune qu femme n'y avait accédé jusqu'à présent, mais j'avais beau le savoir, ça m'a quand même frappé comme, comme quelque chose qui vous rappelle qu'il qu y a encore un très long chemin à parcourir avant que ça devienne euh, des, 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 des événements qui sortent de l'inédit et qui... Mais je, je, je pense que personnellement, je suis assez confiante dans, 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 dans l'idée que ce sera de moins en moins rare, euh, je pense qu'un certain nombre de, de personnes, euh, à la fois euh, au sein de ma génération et celle qui est derrière moi, sont vraiment en train de... ont en, en soif de, de, de réexplorer leur culture, de, de parler de, de la complexité justement de, de, de leur brassage, de ce qui fait qu'ils sont à la fois d'ici et à la fois d'ailleurs. Et je pense que de plus en plus de, de personnes, à la fois au Sénégal, dans le reste de l'Afrique, dans le reste du... Du, de, de territoires qui sont peu représentés vont de plus en plus euh, reprendre le, le contrôle de leur histoire. Je pense que c'est quelque chose qui va, se, qui va se, se généraliser, je ne sais pas, mais être de moins en moins rare en tout cas. Merci beaucoup Mathilde Diop d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct Atlantique donc qui sort demain au cinéma euh, en France et qu'on peut voir j'imagine toujours du côté de Dakar. Très belle journée à vous Merci. et bon Merci. lancement de film. L'info continue dans Paris Direct avec Damien Coquet. On est très en retard.